OK, alors bonjour tout le monde. Alors je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes ici, c'est bien parce que vous vous êtes enregistré et puis vous êtes prête à commencer vos leçons avec moi. Alors je voulais vous donner un petit peu d'instructions là sur cette page-ci. Alors je voulais vous montrer ici en haut, on a un menu que vous pouvez aller explorer. Alors ça vous amène au site web. Il y a des informations à propos de moi, à propos de qu'est-ce qu'on veut faire, à propos d'Online Building Success. Des informations en français, si jamais que c'est vous tombez sur des pages en anglais, vous pouvez aller en français ici. Et un endroit pour nous contacter. Alors ici, si on descend, on a bien entendu la vidéo. Si vous êtes sur cette page ici, vous n'avez pas de compte avec Builderall avec nous encore, il est possible d'aller s'en créer un juste ici. Alors c'est obtenir un compte. Alors de là, vous allez être amené à créer un compte dans Builderall avec un courriel et votre nom. Alors après ça, quand vous allez revenir ici, à cause que vous allez avoir plein d'informations qui vont vous rediriger ici, vous allez avoir le droit de vous login. Et puis, quand on se login d'ici, vous allez voir, on vous demande votre nom, votre... attendez ici, là, je vais me pousser. OK. Alors, on vous demande pour vous enregistrer. Alors, vous allez devoir vous enregistrer avec un nom, un courriel et un mot de passe. Alors, c'est très, très, très important de vous enregistrer avec le même courriel que vous êtes enregistré au début avec Builderall, avec moi. Le même courriel, c'est très important. Sinon, vous allez vous faire supprimer des leçons et puis vous allez devoir recommencer à vous login avec le même mot de passe. Pas le même mot de passe, mais le même courriel. OK? Alors, une fois qu'on s'est enregistré la première fois, alors on peut aller les autres fois quand vous allez sortir du site et vous les retourner. Hein, vous avez le droit à vos leçons à n'importe quelle heure, n'importe où, n'importe quand. Bien entendu, sur un laptop ou un ordinateur, c'est pas faisable sur un téléphone. Alors, si on veut, une fois qu'on est enregistré, on va avoir juste besoin de se login. Le programme va vous reconnaître avec votre mot de passe. Si vous avez reçu un token, alors parfois j'envoie des tokens à des gens pour un essai et tout ça. Alors, si vous avez un token, vous rentrez votre numéro de token ici. Hein, vous rentrez votre numéro de token, vous allez vous enregistrer. Et puis, de là, après ça, vous allez pouvoir commencer vos leçons. Une fois que vous allez aller à vos leçons, vous allez déjà être enregistré. Alors, il faut vraiment se login pour accéder aux leçons. Alors, ici, je vais avoir d'autres logins pour les formations. Alors, ça s'en vient. Et puis, une autre chose, ici, on a un sitebot. Alors, un sitebot, je vais vous montrer comment faire ça sur un site web. C'est très intéressant pour toutes les entreprises qui ont un site web. Alors, qu'est-ce que ça fait un sitebot? Alors, je vais vous montrer. Alors là, ben, c'est bien entendu, c'est moi, hein, c'est moi qui a créé le sitebot et c'est moi qui vous communique. Alors une fois que vous êtes ici, si vous avez un problème de login, un problème que vous comprenez pas, n'importe quoi, vous allez juste ici, alors vous faites Hi. Et puis de là, on communique ensemble. Alors je vous demande votre nom, c'est marqué votre nom. Alors vous allez avoir d'autres petits messages qui vont apparaître. Et puis de là, si vous avez des questions, alors ouais, je suis contente que vous communiquez avec moi. Comment je puisse vous aider? Avez-vous un problème de connexion? Avez-vous une connexion, une question à propos du site web? Avez-vous vous avez voulez vous créer un compte? Hein? Si vous n'avez pas vu le message ici, vous pouvez vous créer un compte ici. Ça va vous amener sur le séjour gratuit. Et si vous avez d'autres questions, de là, il va y avoir d'autres et d'autres et d'autres. Et puis de là, vous allez résoudre votre problème. Sinon, vous pouvez communiquer avec moi. De là, déjà là, quand vous allez à autre, on va vous demander si vous voulez communiquer avec nous d'une autre façon. Alors, si vous voyez des sites, vous pouvez aller sur le site web, nous contacter sur Messenger, aller sur la plateforme ou en courriel. Alors, de là, on vous, si vous voulez aller à la courriel, alors si vous voulez, voyez, vous avez le lien pour vous en aller à notre adresse courriel, qui est ici, ben, l'adresse courriel, que vous pouvez nous communiquer un message ici. Alors, c'est super bien fait. Alors, là-dessus, je vous montre aussi dans une des formations comment créer ça, ce petit sidebot-là, très intéressant. Alors ici en bas, bien entendu, si vous n'avez pas adhéré à notre page Facebook, allez-y, vous pouvez y aller de là, notre Instagram. Alors, c'est le fun de voir quand il y a des nouveaux posts. C'est pour ça que j'ai mis ça sur la page. Alors ici en bas aussi, inscrivez-vous à notre newsletter, hein, notre infolettre, et puis d'autres moyens de nous communiquer. Alors ici, c'est mon WhatsApp. Je vais arranger ça. Là, il y a un petit problème. Je vais aller arranger ça. Et puis, si vous voulez accéder à toutes nos plateformes, là, je vous montre toutes les plateformes qu'on a
sur une de nos pages de notre site web. Alors, c'est ça. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. N'oubliez pas, c'est très, très, très important de se login avec le même courriel qu'on a fait notre premier raconte dans Builder All quand on s'est inscrit, soit pour le séjour gratuit ou pour soit 69,90 ou 29,90. C'est très important d'utiliser le même courriel. Alors, sur ça, je vous laisse et je vous souhaite bonne chance. Alors, je vous invite à vous login et commencer votre formation.